Tu peux me faire une pizza parce qu'il y a le foot après, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Robin Reners. Je suis en deuxième année de coutellerie. On est sur je viens de Belfort. Du tier liner piémonté avec lame d'amas, tranchant rapporté carbone et molaire de mammouth. Mais voilà. Et puis si je commence à faire des couteaux ici que je me mets à mon compte, il y a tout sur place. Donc il n'y a pas de frais d'importation, il n'y a rien du tout. On fait un kilomètre, on a les fournisseurs de bois. On fait 500 mètres, on a les fournisseurs d'acier. Donc il y a tout sur place. Ça, c'est le bonheur. Si vous venez ici, eh ben c'est simple, si vous n'êtes pas passionné, vous dégagez. Voilà, c'est tout, faut être passionné pour faire des couteaux. Non, je ne me marierai pas. Je ne me marierai pas, ça c'est mort. J'ai fait un apprentissage en mécanique de 2 ans à un CAP. Du coup, je l'ai obtenu. Mon grand-père qui sortait le layol et enfin pour moi c'est typique et du coup le bois et le métal bah, ça m'a refait penser à mes années de jeunesse et du coup ouais j'en suis arrivé au point de la coutellerie. J'ai postulé, j'ai cherché un employeur et du coup voilà ça fait 3 mois que je suis ici maintenant. D'autres questions? Ah, une petite dernière. je me sens bien en tant que. Et dans cette structure, si vous voulez, le gros avantage, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur du très très haut de gamme. On a décidé de créer cette association parce qu'on a trouvé qu'il manquait un peu d'échange à travers des apprentis. On s'est dit qu'il fallait renouveler ça et faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a pris en main et qu'on a créé cette association KnifeNet. Mais je suis en train de découvrir ce soir finalement que la publicité de Thiers, elle va être faite par ces générations qui arrivent et qui viennent de l'extérieur. Annie, tu viens. Tu viens. Tu viens. Parmi les jeunes, il y a des qui sont à la fois couteliers et à la fois caméramans. Hein. Ça tourne. Action. Hey, papy, regarde ça un peu ce qu'ils vendent. Ouah, des paquets de bouse. C'est des contrefaçons. Ouais. Oh bah, ça c'est bien de la merde ça. Alors c'est bon, deuxième phrase. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous pourriez nous faire donc une rapide présentation de vous, s'il vous plaît? Rapide présentation de moi. Bon, souvent, je commence par style un peu humour, c'est que je suis bien véritable immigré. Quand tu soulèveras, on t'achèvera, on te brûlera, et ta graisse encore servira. Et ta graisse encore servira. Et ta graisse encore servira. On voit que comment elle a vécu, Germaine Tillon, au camp de concentration. Déjà, on montre comment elle a vécu. Ouais, puis ça rappelle le passé, c'est toujours bien de se rappeler le passé, ce qui s'est passé, quoi. Et quel est le rôle de l'opérette? L'opérette, c'est en fait de faire passer un message joyeux, enfin de faire passer un message joyeusement, mais un message qui va, par exemple, porter sur les maltraitances dans les camps de concentration, des choses comme ça, qui va remonter le moral aux troupes pendant les camps de concentration, tout simplement. Je peux recommencer? Oui, vas-y. D'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce premier plateau sur la jeunesse. Actuellement, nous trouvons à l'atrium avec des résidents.